Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve où, Loulou? Dans ma chambre. Dans ta chambre. Alors pourquoi on se retrouve dans ta chambre? Parce qu'on va faire un room tour. Un nouveau room tour, j'aimerais dire, parce que oui, bah, comme nouveau. Pour Océane, il y a plein de choses qui ont changé dans ta chambre parce que oui. Comme tu grandis, il faut trouver des solutions pour ranger plus de choses, changer les affaires. Enfin bon, tu grandis, on change de jouets, on change d'univers, voilà. Donc, puis aussi les devoirs à l'école. Oui. Donc Loulou, par où tu veux commencer? Par mon billard. Par ton billard. Alors je sais pas si vous vous souvenez les amis, à Noël, l'année dernière c'est ça? Oui. Tu avais reçu un billard, alors il est monté, ça y est. Oui. Vous l'aviez jamais vu, donc il est là. Alors il fait pas que billard, il fait quoi aussi? Il fait ping-pong avec les mini raquettes. Et là-dedans il y a les boules. Voilà, fais voir tes boules un peu. Waouh, elles sont jolies, hein? Oui, c'est comme des vraies, hein? Bah, c'est des vraies d'ailleurs. C'est des vraies, mais plus petites en fait. Ouais. Alors, ici, nous avons le ping-pong avec le petit filet. Ouais. Que, en fait, on accroche ouais, ici, dessus. Ici, là, il ouais. y a des petits pics où on les accroche. Oui, parce qu'en fait, le plateau s'enlève. Je vais vous montrer, ouais. Les amis. Le plateau s'enlève, il est là. Et là, voilà. Donc, quand on lève, on a le billard dessous. Ouais, et on a le ping-pong dessous la plateforme. Voilà. Et ça fait le hockey aussi. Enfin bon. Là, le hockey, mais sans l'air. Voilà. Sans l'air. C'est et ça. Après, ils sont là. Et donc, il est bien là. Il est bien là, ton petit billard. Et en fait, ce qui est bien, c'est que. Je vois qu'il s'est inséré, On continue avec quoi alors, Loulou? Ouais, il est bloqué. On a un intrus ici. Coucou. Oui. Alors ici il y a tous mes Playmobil. Tes Playmobil, alors fais voir, tu les as rangés ici en fait? Ah oui. Ouais. Bon, par contre Ghostbuster customisé avec la police, je sais que c'est pas bien. Mais... Alors là on a tous les Playmobil, donc commissariat de police, enfin pas tous. Aussi, hein. Paul Maria. Non non, après j'ai encore ma banque. Pas aussi. Tous. Bah... J'ai ma banque. Tu sais que j'ai reçu dans mon calendrier. T'as ta banque, oui, exact. Et puis, ils sont rangés aussi dans des tiroirs parce que sinon, on n'aurait plus de place dans la chambre. Alors, on continue avec quoi? Alors, qu'est-ce que t'as dans ces tiroirs, tiens, tant qu'on est là? Alors, montre-nous un peu. Ici, c'est tout ce qui est livres, coloriage et tout ça. Il y a le magazine de Swan et Léo. Oui. Il est là. Il est bien protégé. Alors, ici, c'est tout ce qui est quelques petits livres et surtout cartes Pokémon. Ça, j'ai... Voilà, ça, c'est les super beau. Cartes Pokémon. Et puis, tu vois, et c'est quoi ça? C'est ce qu'on a reçu. Ah oui, c'est ce que je t'ai pris à la Manga Mania. Ouais, c'est à Corentin. À la Manganime. À Manganime, c'est marqué Corentin en fait en coréen, je crois. Oui. C'est joli, hein. C'est vachement beau. C'est un monsieur qui nous l'a fait devant nous. En fait, il a un petit pinceau comme ça. Et en fait, il mélange des couleurs et tout. C'est impressionnant à voir. C'est vraiment beau. Il faudrait que je le mette sous verre pour le mettre sur un mur. Comme ça, regarde. Un peu sur mon tiroir. Il y a marqué. Ah. Alors là, donc on disait que là-dedans, il y a toutes tes collections en fait, Pokémon et Yokai en fait, c'est ça? Ouais, donc voilà. J'ai toutes les montres. J'en ai une française, une anglaise et celle qui projette pas mais qui a plusieurs fonctions. Et ici, j'ai un livre de magie. Et un livre de magie, ok. De magicien en fait. Ouais, en fait, c'était dans une boîte dédicacée. Ok. Alors, on continue avec quoi? Elle voulait pas ça. Bah, j'ai un autre tiroir en bas. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a toutes mes pièces de rechange et les trucs qu'on a perdus, des jeux de société. Il y a même du slime ici. Il y a du slime. Là, en fait, à chaque fois que Corentin et Océane prennent un jeu de société, ils oublient de ranger des pièces dedans. Moi, je les retrouve. Donc, je les mets dans cette petite boîte. Et quand il manque une pièce dans le jeu de société, on va piocher dans la boîte. Et puis là, il y a aussi la Wii, mais elle est pliée parce que bon, on n'y joue plus. Et puis là, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, donc on a encore des Playmobil. Voici mon bureau. Il est là. Et ici, il y a mon casque. Ici, il y a un truc de la femme au crocodile. Je mets et mon crayon à papier. Et puis là, il y a surtout un ordinateur qui est le vieux Mac de maman que je t'ai donné. Et moi, j'ai passé du tuto. Qui t'a collé des Mario dessus, ouais, je vois ça. Et en fait, il marche très très bien, mais bah, du coup, bah, plutôt que de le vendre ou quoi, bah je l'ai donné à Corentin, comme ça bah, il peut faire des choses dessus parce qu'il est encore très très en très très bon état. Ici, et ensuite j'ai la boîte de bon point avec des dinosaures. Ouais. Et ici j'ai un petit truc, un petit Lego que Stéphanie d'Alsace m'a envoyé. Oui, c'était le Mega Bloks, non le Nano Bloks.
Nano. Avec justement toutes les cartes, en fait, on nous avait envoyé toute sa collection de cartes Disney qu'on a fait un sous-main avec, en fait. Voilà. Et ici, le plus important. Alors, il y en a qui connaîtront pas. Voilà, Bernard Minet. Alors, pour ceux qui connaissent pas Bernard Minet, c'était un acteur, chanteur, qui a chanté tous les génériques de manga de mon époque. Et on Bioman, a etc. Été autographé. Voilà, il nous a fait un bel autographe. Donc, merci à Bernard Minet. Et en plus, eh ben, il parle de toi et de moi. C'est ça. Et en fait, c'est lui qui a écrit aussi les paroles du générique Pokémon, le premier générique Pokémon. Voilà. Le tout premier. Et puis, bah, pour ceux qui connaissent, hein, forcément, vous connaissez Bernard Minet avec sa lune musquée, etc. Donc, okay. On continue avec quoi ? Bah, ici, j'ai des billets pour que Océane elle joue à la marchande et moi aussi. Donc, en fait, on se gère comme un porte-monnaie. Ok. Là, on a quoi ? On a Ça, c'est quoi ça ? C'est ton truc de... T'as ça, pas dedans. Je sais pas, t'as quoi dedans. Ah, t'as rien dedans, j'ai voilà, rien. Pourquoi je savais pas. En fait, okay. C'est vide, tu vois ? Je mets quelques petites voitures. Je mets les voitures dedans. Ah ouais, c'est vide, ouais. Ouais, voilà. En gros, ça, c'est la corbeille à voiture. Ben ouais, ben si un jour t'as plus de place, tu sais où mettre voilà. Les affaires. Ouais, on continue avec quoi ? C'est exprès pour les voitures. Avec ton ça, lit ? Ça, c'est pour ranger mon pyjama. Non, ça, c'est tonton qui te l'a acheté pour ranger ton pyjama. C'était non, ça, Virus. C'est... Oui, c'est tonton. Oui. Alors là, on a le lit avec Océane qui est au-dessus, donc lui, lit mezzanine de Corentin. Il y a ma corbeille. Et derrière, on a rajouté un petit sticker, voilà, de Mario derrière Océane. Un trompe-l'œil et puis bah, tous les petit cadres mur. Que je vais bientôt enlever d'ailleurs. Corentin ne veut plus trop les cadres de Disney que j'avais peints. Ah oui, tu les veux toujours ? Oui. Bon, bah, on les laisse alors. Ils sont géniaux, on dit. Donc voilà, les puzzles et tout, bon, pour ceux qui n'avaient jamais vu le room tour. J'ai pris mon fidget cube. Alors là, on a la toise de Corentin que je crois qui est trop petite maintenant. Voilà, ça c'est fait, bim. C'est toi qui l'as cousu. C'est moi qui l'ai cousu, voilà. J'ai fait du point de croix, ça s'appelle, voilà. C'est tout moi qui l'ai fait. Et ensuite, donc là-haut, on merci a quoi maman. Alors on a quoi là-haut? Ici, j'ai mon affiche déjà. Ton affiche, Ninja pour le film. Ouais. Je savais pas où la mettre. Et ici, et j'ai tous mes jeux de société. Voilà, il y a un bazar, pas possible. Et encore, on en a donné, on en a fait gagner. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un fidget cube. Sauf que quand j'appuie là-dessus, ça fait du bruit. Alors voilà, tout le bazar de Corentin. Et puis là, grande nouveauté de... Ah, regarde. Mais il y a Yoshi aussi. Maker. Yoshi, les 3 Makers Challenge XXL aussi, il a récupéré. Et puis là, c'est la nouveauté. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Et bah ici, bah, on a déjà ma petite armoire. Ici, il y a mes vêtements. Et ici, il y a plein de jouets. Ouais, il y a tes vêtements, il n'y a pas tout. Non, sinon j'ai mon armoire à côté. Alors là, en fait, on a rangé tous les jouets de Corentin avec ses figurines pop qui commencent la collection seulement pour le moment. Voilà. J'en ai pas là, non. Ça, ce sont ces petits lots. En fait, ça, à chaque fois qu'il passe... une nouvelle année de karaté, il gagne un petit bronze. Voilà, donc voilà tout ça. Il y en a 6. Son Star Wars, voilà, qui est un peu habillé, c'est en pièces détachées, le voir. Donc voilà, donc là t'as quoi là? Ça c'est quoi ça? Ça. Non, ça. Ah ça c'est les Canex. Les Canex, parce que Corentin aime bien les jeux de... Construction. De construction, donc là on a les Canex, on a quoi, c'est quoi ça? J'ai Woody. En fait, c'est des petites figurines, tu vois. Ouais, c'était robot, etc. Là, c'est quoi? Ça, c'est toutes mes voitures déguisées. Et là, on a quoi? On a... du Glibby. Oui, on a du Glibby. Et on a plutôt tout ce qui est... ici, j'ai ma maison de sable pompier. C'est la toute première, là. Et ici, j'ai un avion. Ouais, mais je crois que tu joues plus à ta maison de sable pompier. C'est moi qui joue. Ah, c'est toi qui joues. Elle regarde la télé. On a quoi là? Bah ici, on a des Lego qui s'éclairent. Je veux voir un peu. Waouh, c'est cool ça. Ah, c'est trop bien. Alors, ça, ce sont les Lego qui s'éclairent et qui ne s'éclairent pas de Corentin d'ailleurs aussi. Il y a du Ninjago, voilà, il y a plein de trucs. Oui, mais il s'éclaire pas, mais en fait, c'est juste pour pas jouer. Si, il s'éclaire. Si, il s'éclaire. Comment il s'éclaire? Tu vois un peu? Ouais. Ça appartenait à une collection de Lego. Ah bon, on pourra pas montrer. Voilà pour la collection de Lego de Corentin. Enfin, Lego, il n'y a pas que ça en Lego. Hein. On en a là-haut, hein, Ninjago, là-haut, etc.
Et on en a encore en bas en train de monter. On en a de partout, des Lego. Et on en a plein les boîtes. Là, on a quoi encore? Ça, c'est quoi? Ici, bah, c'est tout ce qui est robot. Voilà. Donc, ça, on l'a monté. Ça, j'ai reçu à Noël. Ça, c'est un mini robot. Et ça, c'est mon. Hop là, faut pas trop le toucher. Furby, sinon, il nous saoule. Oui. Ça, là, c'est quoi ça? Bon, ça, c'est un peu du bazar, je pense. Ouais, ça, c'est. Ça... Là, c'est quoi? Un petit bazar. Ça, c'est plutôt ce qui est un spinner, Ok, ouais, vous voyez, il a une boîte remplie d'un spinner ici. Là, on a quoi? C'est quoi en bas, là? Ça, c'est tout ce qui est mes jeux vidéo. Les supports, en fait. Il y a des supports où tu mets des figurines dessus. Et en fait, elles sont rangées dans ce coffre. Ça, et puis bah, Skylanders aussi, je crois. Oui. Les Skylanders, Lego Dimensions, etc. Ouais. Là, on a quoi? Tout ce qui est voiture. Ouais. Et là, les B... Les Beyblade. Les Beyblade, le Nintendo Labo qu'on n'a pas terminé d'ailleurs. Oui, il faut faire plus que le piano et c'est bon. Voilà. Et il y en a encore qui sont. Il y en a plein encore qui sont sortis. Faudrait qu'on les Et sur le côté, donc Quentin vous a dit qu'il avait ses vêtements, mais non en fait. Enfin, il a ses vêtements. Il a quoi? Alors nous, j'ai une chemise. En fait, il a que ce qui est chemise gilet et ses déguisements pyjama. Voilà. Ouais. C'est tout parce que derrière, il a une autre armoire. Et là, qu'est-ce qu'on a alors, Loulou? J'ai mes pyjamas Pikachu et qui boutons. Et là, on a quoi, Loulou, alors? Et bah, ici, on a toutes mes mini-figurines. Ah, en fait, toutes mes voitures et tout ça. Les jeux de McDo aussi. Alors, on n'a pas tous les jeux de McDo. Non, pas tous. C'est que ceux que tu apprécies vraiment. Ici, c'est un peu plus... Bah, c'est quoi? C'est Playmobil. Ouais, ici, c'est un peu plus Playmobil, hein. Un peu plus, ouais. Parce que ça c'est pas tout rangé, d'accord. Et là, ici il y a ouais, il y a beaucoup de Lego. Ok, c'est rempli de Lego en fait. C'est des Lego plutôt des Lego qui sont séparés multicouleurs en fait. Ok, c'est pas mal. Et... alors là on a quoi là? C'est ton tir au pigeon que tu joues jamais avec. Et aussi on a mon fauteuil. Là, si j'ai joué il y a quelques temps. Ah ouais. Ouais. Et là ton fauteuil avec ton gros Mickey qui fait un gros câlin. Oui, il est vieux, hein. Oui, il est vieux. Il date de... Bah, il a 8 ans. Il date de ton jour de naissance, celui-ci. Ah. C'est mamie qui te l'avait offert le jour où tu es née. Ah bah merci, mamie, si tu passes par là. ici, on a ma caisse à jouer. Bon. Enfin, ta caisse à jouer. Ta caisse à armes, on va dire. Oui, un peu plus. En fait, là-dedans, il n'y a que ce Attends, qui est... Attends, faut que je le retrouve. Il n'y a que ce qui est nerf. Alors, fais voir, Loulou, parce que là, j'ai la lumière derrière. Et ici, j'ai mon P99 Airsoft. Voilà, c'est le premier pistolet à billes dont vous parlez, Quentin, dans une vidéo précédente. Oui. Qui l'a gagné où? Bah, au bulldozer. Au pied, c'est là qui tombe. Ouais, c'est ça, en Espagne. Donc, et il voilà. y a une sécurité sur celui-là. Bah, c'est cool, parce qu'il faut pas... Bah, lui, c'est un Airsoft. Hein. Ça fait mal, hein, quand même. Oui, parce que lui, c'est un Airsoft. Ok, et on continue, donc on finit avec quoi? Qu'est-ce qu'on a pas montré, copain? Ton art... Moi! Ton armoire, donc voilà. Tada! Elle est toute rangée! Bah ouais. Donc voilà. Ici, l'armoire j'ai mes t-shirts pour aller au truc de manga. C'est celui avec tous les jeux vidéo. Et puis là, on a surtout toute une pile de casquettes. Oui, j'avoue, je fais une collection. Voilà, donc Quentin fait la collection des casquettes. Il a bientôt plus de casquettes. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'en achète autant. Il a bientôt plus de casquettes que de t-shirts. Ouais. Là, donc, on a tout ce qui est pyjama, puis la blouse de l'école, la d'ailleurs, qui a un matin en boule là. Voilà, ici, donc le pantalon. Puis en bas dans le tiroir, ce sont les chaussettes. Mes jeans, et ici, c'est mes shorts. Et j'en ai pas beaucoup. Et je ferme toute seule la porte. Je suis pas bizarre. Et ici, c'est des autocollants. Ouais, les autocollants que j'ai. Ouais, très vieux. Ils ont 8 ans aussi. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Oui, c'est la fin, les amis. Alors, bah, qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire, les copains, dans les commentaires? Est-ce qu'ils ont préféré dans toute ma chambre? Ouais, si vous avez préféré le billard, les Playmobil, le lit là-haut avec mon Mickey. Le Mickey, enfin, bon, les Lego. Enfin, vous pouvez nous dire aussi si vous avez des choses similaires à Quentin. Donc, si vous avez le même ordi, si vous avez, je sais pas, moi, le même Lego. Voilà, donc vous pouvez nous dire tout ça dans les commentaires. Nous on va vous laisser, c'est vraiment la fin là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao. Ciao ciao les amis, bisous. Ciao.